simpletonhit.com. Mesdames et messieurs, accueillez à Simpleton, aussi public que quand vous prenez. Merci. C'est la tête, le tout, le commandant P. Applaudissements. Vas-y, tiens, viens. C'est pas de gagne, allez, si vous répondez franchement, le jeu peut continuer. Les femmes, j'ai une question pour vous, les femmes. Les femmes, répondez sincèrement. Merci, merci. Les femmes, répondez sincèrement. Entre un garçon qui est à part et puis celui qui te trompe, tu peux marier qui? Les femmes, répondez-moi franchement. J'ai besoin d'une fille ici pour venir répondre à ma question, s'il vous plaît. Entre le garçon qui est avare et puis celui qui te trompe, entre les deux là, tu peux marier qui? Vous criez oui, celles qui ne sont pas d'accord, vous vous taisez. Ouais. Entre le garçon qui est avare et puis celui qui te trompe, ma chérie, tu peux marier lequel? Maman, là tu peux marier lequel? Le pas celui qui me trompe. Allô, on n'a pas entendu. Celui qui me trompe. Vous êtes d'accord avec elle? Vous êtes d'accord avec elle? Bon, ok, donc tu n'aimes pas les garçons en bas. Bon, regardez, hein. Je vais vous montrer que femme c'est femme. Elles ont même papa, même maman. Femme c'est femme. Celle-là, elle veut celui qui est à part. Elle a coupé, elle veut celui qui la trompe. Elle n'aime pas les garçons avant, mais je vais poser une autre question. Chérie Coco, 500 plus 500, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. On a produit quoi? Maman, 500 plus 500, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Vous voyez les femmes, leur avec d'argent. J'ai dit 500 plus 500, ça fait 1000. Elles ont 1000 francs dessus. 500 plus 500, ça fait 1000. Je n'ai pas dit 500 francs plus 500 francs. Hein. Elles ont 1000 francs dessus. Applaudissez pour elles, vraiment vous aimez. C'est laquelle tu peux marier? La femme qui te trompe et puis celle qui te frappe toujours. C'est laquelle tu peux marier? J'ai besoin d'un garçon ici pour venir répondre à ma question. Ah, deux garçons, trois garçons, quatre garçons, les garçons qui viennent en retard. Ah, entre la femme qui te frappe et puis celle qui te trompe de près la bosse. Hey, Jeff, allez, quand même, tu frappes. Mais il ne faut pas te tromper. Aïe, Jeff, allez, quand frapper seulement. Et toi, frapper, tu. Les hommes, vous êtes d'accord avec?
Et toi, champion? Oui. Oh, frappage là. Il y a plus de personnes. Dans lui, on va le frappage. Dans les gens, c'est quand t'as soif dessus, non? C'est bien des chicots qui là. C'est ça la fin frappée. Mais si on est normal là, un homme peut pas frapper dans un chicot. Voilà. C'est bien du tout quand même là. Ça la fin frappée. C'est bien la force du moteur. Et c'est qui vont garder. Et toi, champion, tu voulais dire quelque chose? Yeah. Non, mais tu femme qui te frappe, puis femme qui te tombe, tu veux marier qui? La femme que je préfère, la femme qui ne tombe pas. Voilà, parce que moi-même, si elle n'y a pas, je vois mes femmes, mais en connerie, nous viens là. Oh. On applaudit pour eux, on applaudit pour eux. Merci. Ton père est mieux, un champion. Habit, tu sais, moi, je sais, ton père est mieux. Il n'a pas tout le temps. Il dit ton père mieux. Pour la dernière question, puis on continue. Le show. Écoutez ma question, répondez franchement. On dit la solidarité existe à tous les niveaux. Quand un corps habillé meurt, à sa veillée là. Vous les connaissez, les corps habillés lors de la veillée. Ses collègues, ils vont venir tirer toute la nuit. Quand c'est un artiste, nous on chante toute la nuit aussi. Quand c'est un religieux, on prie toute la nuit là. Mais ma question, répondez-moi franchement. Et quand c'est une djandjou qui meurt la nuit là, on fait comment? C'est pas dégâts, dégâts. C'est pas dégâts, dégâts. C'est pas dégâts, dégâts. Allez, c'est mieux. C'est pas dégâts, dégâts. C'est pas dégâts, dégâts. Allez, c'est mieux. Répondez un peu à ma question, hein. J'ai posé une question. Policiers et morts, ils ont tiré à la veille. Religieux est parti, eux ils ont prié. Oh. Artiste est parti, nous on a chanté. Et quand c'est une djandjou qui meurt, la nuit là ça veille. Dites-moi mes frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Vous connaissez pas la réponse? Ok, on s'en va in en haut. Manager Prison. Bonjour. Allô. Écoutez bien l'histoire là. Metcho, le commandant. Écoutez bien l'histoire là. Moi j'ai mon oncle. C'est un vieux pété, pour lui reste pas l'étranger. Dans mon morceau passé. Mon morceau où j'avais chanté le chinois. Ah, écoutez l'histoire là. Hein. Mon nom s'appelle Misabo. Mon nom s'appelle Misabo. C'est un vieux pété, pour lui reste pas l'étranger. Dans mon morceau où j'ai chanté le chinois. Où je suis quitté en Chine, le chinois, tout ce qu'il voit là. Il me demande cacao, prenez tchala tchè kwa tchè. Tchala tchè kwa tchè. Tout ce que je lui montre, il dit j'ai petit chien. Voilà mon oncle Misako. Lui aussi à son tour, il veut connaître les Chinois. C'est dans ça là, Misako est parti en Chine. Écoutez, parce que je ne vais pas reprendre. Misako est parti en Chine. Lui aussi à son tour, il veut connaître les Chinois. Il a fait 3 mois de mission. On lui a donné 300 000 francs. Lendemain, il va rentrer au pays. Misako tape sa poitrine. Misako tape sa poitrine. Il dit, à mon Misako, je ne peux pas rentrer, gâteau comme ça. J'ai eu des camarades chinois, j'ai fait un poteau en Chine. Et mon vrai souvenir, je dois mourir une chinoise. Voilà, je dois mourir une chinoise. Et dans ce là, Misako est parti. Je l'ai fait une chinoise. Il a boité une mot, elle est grosse comme ça. Elle dit 300 000 rien. Il a payé ça. Parce que lui, mis à bout, il va mourir des chinois. Pour les voir les deux dans la chambre. La vraie chinoise, elle est comme ça, position Mabouka. Elle est nue, hein, position Mabouka. Le gris à quoi est nue, position de Boukéi. Il a payé 300 000, il va récupérer son argent. Elle est comme ça, il s'appelle derrière. Regardez bien, il veut la tuer. Il est tient comme ça, il veut la tuer. Combat, combat. La
chinois. Mais elle est comme ça tellement ils appellent la porte mal. Elle est comme ça, ils prennent pour ses gris disant en chinois. Tu entends? Il est en, il est en. Il est en, Wanja, il est en. Ils appellent, maman, c'est pas une enseignée, ils appellent. Il t'a montré mon nom. Moi, c'est Misako. Elle est comme ça, mais Misako, il est ça. Hein? Il a payé 300 000 dollars, il doit retirer son argent. Il est toujours sur elle comme ça, regardez, il veut la tuer. Il est comme ça. Combat au fond. Elle est comme ça aussi. Il a on, il a on. Il a on, Wanja, il a on, il a on. Misako dit, maman, c'est pas il a on, c'est Misako. Misako a fini son plaisir. Il a payé 300 000, il a fini son plaisir. Le lendemain, il doit rentrer au pays. Mais avant de rentrer au pays, il dit lui, Misako, il va regarder Mike et toi. Toujours en Chine, hein? Ce jour-là, son traducteur était au terrain quand on parle en chinois. Le traducteur t'a mis en français. Il a regardé la boule, il a tapé la boule a roulé, roulé. Voilà le prophète chinois, il prend la rentrée, hein. Applaudissez le prophète chinois, il prend la rentrée. Salut à vous. Comme je disais, voilà le prophète chinois, il a pris le poids, il a regardé la boule, il a tapé la boule a roulé. La boule a disparu. On ne sait pas dans quel coup, mais la boule a disparu. Le chinois golfeur a été de l'autre côté, lui aussi à son tour. Il a commencé à crier en chinois. Et là-haut, et là-haut, Banja, et là-haut. Misako, il dit rapidement à son traducteur, il dit, mais les chinois, ils sont faits quand même, moi, il a montré mon nom. Regardez-moi, c'est le vieux Misako. Hier dans la chambre, la lave m'a appelé Inaho. J'étais encore regardé match, on m'appelle Inaho. Pour la vie, à mon voilà, c'est le Misako. Voilà son traducteur. C'est là là son traducteur lui dit à l'oreille. Il dit le vieux Misako. Le vieux Misako. En chinois, quand on dit Inaho. Quand on dit Inaho, ça veut dire que c'est pas rentré. Donc depuis hier sur la gauche, c'était pas rentré. 300 000 cadeaux, Inaho. 300 000 dans le vide, Inaho. 300 000 cadeaux comme ça, Inaho. Inaho. Est-ce que je peux chanter? Est-ce que je peux chanter? Si vous criez, oui, je vais chanter. Est-ce que ma sécurité est garantie? Je crois pas. Je peux chanter. Vecho, est-ce que je peux chanter? Officier Lacoste, est-ce que je peux chanter? Je suis, ma sécurité est garantie. Une fois électorale là, nous on quittait à San Pedro. Une fois électorale là, nous on quittait à San Pedro. Arrivé à Divo, voilà un barrage. Ce jour-là, c'était un barrage de FRC. Ils ont arrêté le cas, le chef FRC. Il se présente, il dit voilà, bonjour tout le monde, Chuchu. Bonjour tout le monde, ouais. C'est un contrôle des pièces. Vous n'avez qu'à montrer vos papiers rapidement. Et puis vous va quitter ici. À côté de moi, le vieux Niaoré. C'est un vieux bêté pour ne pas trop discuter. Il fait sortir sa pièce et puis il donne au FRC. Il dit, chef, tenez, voici la mienne. Tenez, voici la mienne. FRC. Il prend la pièce de Niaoré, il regarde la photo. Il regarde dans son visage, il dit, ouais, toi, tu as un bon papier. Tu es aux règles, il faut prendre ton papier, tu es aux règles, ouais. Oh, tenez là-bas là, montre-moi la mienne. Il a montré la mienne. Moi-même à côté, il est petit. Toi tu as percé ton oreille là. Montre-moi la mienne. Comme c'est comme ça, tout le monde a montré la mienne. On a montré la mienne là.
dans le cas et puis on s'en va bien. Arrivé à Yopougon, j'empruntais mon taxi, mes deux petits, ils étaient assis derrière, avec mon manager Tizen, ils sont trois derrière. Moi-même, quand j'étais au premier, j'étais assis devant. Au niveau du Kenya, voilà un autre barrage. J'ai dit, ouais, c'est le même contrôle des pièces, montrez vos papiers. Rapidement, j'ai fait sortir mon passeport. FSI prend mon passeport, il regarde, il regarde. J'ai dit, ouais, ça c'est un papier, je n'ai jamais vu. Hein. Ouais, peut-être que tu as levé ça où? Ça c'est un bon papier, c'est un bon papier. Il regarde ma photo, il regarde mon visage. Il feuillette mon passeport, il feuillette mon passeport. Il dit, ouais, ça c'est un papier, beaucoup de pages en main. Ouais. Et petit, donc ça c'est pour vous tous. Il dit, oui chef, c'est pour nous tous. Il dit, mais les trois derrière là, ils ne voient pas les photos dedans. Hein. Il dit, chef, on est quitté à San Pedro. Il était 22h, on s'en va chez le photographe. Il va tirer les photos et puis on va mettre dans le passeport. Il dit, ouais, vous n'avez pas fait vite. Hein. Ouais. Si le photographe il a fermé, vous regardez, il n'y a pas les photos là. Hein. Voilà, et puis là, je vous prends, vous tous. Hein. C'est comme ça. Vers la fin, on s'est retrouvé à Bobo. On dit inauguration d'un hôpital. Le chef est là, ses éléments à côté. Il dit bonjour tout le monde. Parce que nous sommes réunis, matin bonheur là. Oui, c'est pour une très bonne cause. C'est pour l'inauguration de ces hôpitaux. Inauguration de ces hôpitaux. Matou à côté de lui, il comprend un peu français. Donc rapidement dans les oreilles du commandant. Il dit, j'ai vous, au Bafo hôpital. J'ai vous, au Bafo hôpital. Il dit, commandant est chaud, il a mal Matou. Mais il dit rien. Il dit, excusez-moi, inauguration de ces hôpitaux. Vous-même, vous connaissez que. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait des hôpitaux. Longtemps on n'a pas fait des hôpitaux. Le même matou encore dans les oreilles du commandant. Il dit chef ou au Tafo hôpital. Chef ou au Bafo hôpital. Il a dit commandant, gâtez encore. Mais il ne dit rien. Il dit excusez-moi, on n'a pas fait des hôpitaux. Donc le matin bonheur là. Ce hôpital qu'on va inaugurer là. C'est hôpital qu'on va inaugurer là. Madou encore dans les oreilles. Chef vous, au Tafo hôpital. Chef vous, au Bafo hôpital. Y'a dit commandant, gâté en même temps, il gara Madou. Y'a monté une flèche en patraté, ton bâtard là, ton chien pourri. Il m'a dit, t'es allé où? Toi, tu es un simple élément, le commandant, le bâtard, chien pourri. Ni le côté. Il est total. Ni le total, il est coto. Hoffman dans la station totale, l'inauguration est là. N'allez pas dire à quelqu'un. Ça n'a qu'à rester entre nous. Voilà. C'était un concert de francophonie à Paris. La salle était pleine comme ça. Le podium est géant comme ici. Le présentateur, c'est un blanc. Il prend le micro, il dit. Bonsoir tout le monde, voilà. Nous sommes ici à la salle LLC pour le concert de francophonie. Et la Côte d'Ivoire nous a envoyé quelques artistes pour représenter dignement le pays. Le blanc n'a même pas fini de parler. Il y a une femme qui a sauté sur le podium en même temps. Pouf. Le blanc dit, mais madame, vous c'est qui? Elle dit, yeah. Le blanc dit, madame, votre nom? Elle dit, Père Frère Sidonie la Tigresse. Le blanc dit, c'est parti avec Sidonie la Tigresse pour le concert de francophonie. Faut voir Sidonie la Tigresse. Nya 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 yo, aywa bogoyele, aya pendre bejanyo, ye kaole, aya pendre bejanyo, aya pendre bejanyo, ye kaole, ye kaole, amani joni, ye kaole, ye kaole, amani jo, aya pendre bejanyo. Aïe, peindre. Le blanc dit, madame Sidonie, ici c'est la France, on ne comprend pas, aïe, peindre. En français,
Elle dit si. Le blanc dit madame, vous allez descendre. Elle dit Ali Baba, je vais chanter en français. Ok, c'est parti en français, il faut la voir. Coco Yassida, moi je ne sais pas, j'ai les tonchés pour la boule. Amani Yassida, moi je ne sais pas, j'ai les tonchés pour la boule. Le blanc dit madame Sidonie, c'est un concert de francophonie et non une campagne de sensibilisation. Descendez. Elle dit si, en prête. Oufoué était assis au milieu de Bill Clinton et Jacques Chirac. Moi-même, Cacao Premier était assis derrière. Ah, ils vont dire mal. Ok, c'est parti. Le second artiste ivoirien est venu pour le concert de francophonie. Monsieur, vous c'est qui? Il dit moi. Oh, oh, oh. C'est Baïs Pinto. Oh, oh, oh. Oh, oh. Le plan de vêtement, il dit Baïs Pinto. Oh, oh, oh. Baïs Pinto, nous on le connaît depuis la Côte d'Ivoire. On sait que quand il chante, il a toujours tête baissée, yeux fermés. Il faut le voir sur le podium des gens, tête baissée, yeux fermés. Le plan dit monsieur Baï, n'allez pas plus loin. Tous pareils, ces Africains, quand c'est Baï, à peine vrai, c'est oh, oh, oh. Ici c'est Paris, vous chantez en français ou bien vous descendez. Baï est sage, il va traduire en français, tête baissée, yeux fermés. Oh, tous mes amis, mon honi. On le demandait à Dibale. Il enlevait pas le damoné. Il enlevait pas le damoné. Il enlevait pas le sol. Oh. Bah, il lève la tête, il ouvre les yeux, le blanc lui tend son passeport. Il dit, mais j'ai fait quoi? Le blanc dit, monsieur Baï, vous êtes rapatrié. Il dit, pourquoi? Il dit, trop de poils dans votre affaire. Qu'est-ce que vous faites? Chaud! Du coup, vous faites mes pinces. Il dit, monte, cacao, monte. Il dit, attends un peu, le vieux, mon tour arrive. Mais vous faites commencer à sourire quand on a vu un artiste courir d'entrer dans la salle. Des batteurs, jamaïcains, deux culottes d'une coupée, sans chaussures. Quand vous faites la vie, vous faites des miwa, 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 blondie. Alpha Blondie Bessouga. C'est ce jour-là à Paris, excusez-moi, mais il y a vu que Blanc est bête. Alpha prend le micro, il a laissé carrément le podium. Puis là en bas, elle, genre. Il dit, ah oui. Et on se répond, nous. Yeah. Il dit, ah on est déjà Rastafora. Et on répond, yeah. Il dit, connaissez-vous les bas coronés? Yeah. Tu comprends pas quelque chose, tu réponds. Blanc est bizarre, hein. Avez-vous déjà vu les Nyamodé? Yeah. C'est vous les Toubabou, les Pacoronés. Yeah. Je parle de vous les Toubabou, les Nyamodé. Yeah. Les trafiqués, il dit, je vous aime parce que vous êtes Dieu. Il faut le voir en face du fouet, il veut faire plaisir tellement au fouet, il est comme ça. Alpha fait une heure de temps de play champagne en face au fouet. Alba, chante maintenant, laisse les pénins pépé. Chante Alba, tu me fais perdre patience. Chante Alba, laisse pas. Pénin pépé, pénin pépé, pépé. Pénin pépé, pépé. Oufoué a fait sortir l'argent. Il dit Alba, sur le dernier des bras. Chante maintenant, chante Alba. C'est là Alba va chanter en face d'Oufoué maintenant. Dja dja Oufoué, tu es un rastaman. Tu es un rastaman. Quand deux fois a commencé à chauffer la patrouille, il n'y a pas chevé là, ça pousse un peu. Il y a le mal Alpha, mais Alpha c'est pas son problème, c'est là il va tuer même. Tu es un vrai rastaman. Quand deux fois est chaud, il a arraché le micro à Alpha, mais
Elle dit Alva. Elle m'a fait dire Alva. Et quand tu fumes ta drogue, tu la fumes avec moi. Alva. Et quand tu prends tes comprimés, tu me vois auprès de toi. Et pour rien comme ça, tu dis que moi, ou faut que je suis Rastaman, Alva, regarde si j'ai des dreads. On dit qu'il faut laisser le vieux hein, continuer chaud. Là. La fils qui arrive maintenant, monsieur, vous c'est qui? Il dit, moi, c'est la reine du Léguiné. Le blanc dit, monsieur, votre nom. Il dit, Gay Victor. On dit que c'est parti avec Gay Victor pour le conserver. Francophone, il faut voir Gay Victor. Hein. Léguiné, après Léguiné, après Léguiné, Léguiné, après Léguiné, après les Guinées, le bandit monsieur Gay Victor, pas de après qui tient là. Ici c'est la France, vous chantez en français, bien vous dégagez le plancher. Gay a été le seul artiste à Paris qui m'a plu. Il a été franc, la reine est blanche, puis il a dit moi Gay, toute la Côte d'Ivoire me connaisse. Depuis que je chante, je n'ai jamais chanté en français. J'ai fait 4 albums, il y a 3 en couleur et en blanc noir. Mais si vous sont d'accord, je peux interpréter un morceau français pour vous. Le blanc dit monsieur Gay Victor. Pourvu que le morceau interprété soit en français. Et chanson les blancs chantées, Gay va interpréter même les chansons pour leur donner. Pour le voir dans tout son air sérieux. Quand tu es malade, mais Gay va-t-il? Eh mon danseur, applaudissez mon danseur, applaudissez mon danseur, je vois tout. Ouais. Je veux mettre ici là aussi pour Bichu. Mais quand il a vu le message est passé, si le fils comme ça. Il s'est levé la pile de bande, il a pris son grand-père avec ta chérie Boudou. Comme ça, ils sont venus tout bénis de mon père. Désirer la consom bien ici est possible. Désirer la consom bien ici est possible. Moi j'ai la foi que si désirer la allez ici, regardez tout le monde. Le quartier va sortir, le quartier est tout le monde. Le quartier a sorti, le quartier a sorti. Désirer la poste, bien, 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 s'il te plaît. Joyeux anniversaire. S'il n'y a pas de jaloux, okay. On applaudit pour désirer la poste. Hey. Officier la poste, pas pour moi. Officier la poste, bien, s'il te plaît. Béthio est le commandant pour la poste. Officier la conservation, le vieux de la vieille, joyeux anniversaire à tous. On dit chacun de nous à son jour du jour, aujourd'hui c'est le jour de ton jour, j'y ai fait du tout. Hey, officier la conservation, hey, officier la conservation, hey, officier la conservation. Merci à toi, officier la conservation. Bizarrement, on se trouve partout, partout. Partout, 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 partout,
t'es bien fait. Merci pour la jeunesse de San Pedro. Merci pour tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Y'a un problème chez nous, un jour là, qui dit à la fin. Qui tu commis au côté, c'est qu'à quel diable y'a là. Limago, 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 limago. Thank you.
Amour est bio, amour est bio. Est-ce que vous savez ce que amour est bio, elle m'a fait? Ce que mon amour est bio, elle m'a fait. Et alors, je ne pourrai jamais oublier ce qu'elle m'a fait. De... Amour est bio, amour est bio. Si vous voyez mon portable, c'est un gros chintoc. Oui, à Baya de Spi, c'est-à-dire c'est comme si j'ai pris pour attacher. Mon petit, j'ai un ton de chanson là, amour est mio. Eh. Elle me dit, cacao premier, mon bébé. Je veux iPhone 7. Elle dit, tu, elle dit, oui, je te donne un mois, faut m'envoyer iPhone 7. J'ai lutté, lutté jusqu'à j'ai payé iPhone 7 pour donner à mon amour est mio. Moi-même, si tu vois mon portable, Gaia Shintok 3 plus. Donc c'est dans ça, Amor et Mi, on était. Elle vivait chez elle, moi j'étais chez moi. Voilà qu'un soir, je m'en vais chez elle. Son portable est sur la table. Elle est en train de prendre sa douche. Son portable se met à sonner. Je prends son téléphone, je regarde dessus. Amor amie, ami, bouteille de gaz. J'ai dit, donc il y a un garçon qui s'appelle bouteille de gaz. Hey, amor est mio, amor est mio. Amor est mio, amor est mio. 30 minutes après, son téléphone sonne encore. Je prends, je regarde son écran. Cette fois-ci, là, elle a mis soupe de cabri. Jaya garçon, il s'appelle soupe de cabri. Amaremi, Amaremi. Je prends mon MTN, je lance son numéro. Moi à mon tour là, elle a écrit loyer. Je dis, donc t'as un garçon qui s'appelle loyer. Amaremi, oh, Amaremi, oh. Mais le last dans tout ça là, je prends mon numéro orange. Je lance son numéro. Est-ce que vous savez sur son écran ce que Amor et Mia mis dessus? Je vous jure. Hey. C'est sorti photo de chien. Et puis c'est quel genre de chien? Chien, sac à plus, chien de Marimar. Hey, Amor et Mia. En bas de la photo du chien, elle a écrit comme ça. Cacao, bête, bête. Eh, amor de mi, ti mario, amor de mi, ti mario, amor de mi. C'est pourquoi je crie aimé, aimé sans être aimé. Yahweh ma Céline, si je dois pleurer. Ou Nathalie, si je dois partir, partir sans être temps. C'est ce que j'appelle souffrir, champion à couler, vite essayé de boyo. T'aimer sans être fait. A dimanche si je dois pleurer sans être consolé. A des trompes si je dois partir. Partir sans être dans. C'est ce que j'appelle souffrir. Champion à couler du décès. J'ai fini, 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 fini comme ça. Mais je vais vous donner quand même un poisson. Sinon, vous allez dire que je ne suis pas prêt pour vous. Regardez quel œil il fait. Certains sont partis, mais vous êtes restés encore avec moi. Vous attendez que les choses finissent avant de rentrer chacun chez soi. Je vous dis merci comme ça. Merci à toute la population de San Pedro. C'était la voix de Cacao Premier. Mais chez nous, on dit voler n'est pas bon. Oui, dizaines voler n'est pas bon. Mais chez nous, on est plus dans la balle. Il y a un quartier qu'on appelle Sikoji. Oui, dans la famille là, tout le monde vole. Papa est fou. Tonton c'est pas moi, tonton c'est pas moi. Tonton c'est pas moi, tonton c'est pas moi. Tanti au balcon quand elle a entendu ça. Elle est descendue, Tanti, elle en réalité. Elle a fini avec voler. Elle aussi. Elle vient avec papi tout et son nom. Et puis elle le garant en chantant. Elle va garant son neveu papi tout en chantant. Elle va garant son neveu papi tout en chantant. Je vais te m'attraper pour te jeter.
maison. Papa se réveille, il vient vers la cuisine. Il croise oncle Tom avec son enfant Papi Fou. Papa lui en réalité, c'est le chef des voleurs du quartier. Et puis les professeurs de musique, donc imaginez. Il regarde l'oncle comme c'est l'oncle qui est le plus âgé. Papa s'adresse à l'oncle, toujours en chantant. Tant de famille que je suis, je dis maman. Eh, assois Manoujo, assois Manoujo. Je vous laisse accompagner de mon batteur. Roma batterie, quand tu veux. Roma batterie, quand tu veux. Roma batterie. Sans besoin, hit.com.